Je prends la main maintenant sur la transformation de la voix pro, si ça vous va. Pareil, première focale, la transformation de la voix pro au sens large, puis les programmes de la voix pro. Mise en application, première, alors cette année, on applique, on est déjà dans la deuxième année des CAP. Donc, c'est-à-dire que l'année dernière, première année de CAP, nouvelle mouture. Cette année, deuxième année de CAP, nouvelle mouture. Donc, ça y est, on arrive à l'examen. Bac pro, l'année dernière, seconde. Cette année, nouvelle première bac pro, nouvelle terminale bac pro seulement l'année prochaine. Donc là, cette année, les terminales bac pro sont encore sur les anciens textes. Ce sont les derniers à passer encore les épreuves ex compétences de niveau 4 ou de, oui, compétences attendues de niveau 4. Ce sont les derniers. Alors, j'ai juste une question. Bien Du sûr. coup, ça veut dire que les référentiels qui ont été faits par les enseignants des LP cette semaine sont applicables pour l'examen du CAP cette année? Oui, on aurait dû leur faire faire le travail-là l'année dernière, pour leur valider l'année dernière, et que cette année, ils puissent déjà les évaluer. En fait, ils étaient sur la même temporalité que le bac GT. Sauf que le texte du CAP n'a été publié que cet été. Donc, on ne pouvait pas leur demander de nous créer des référentiels par champ, alors que le ministère n'avait toujours pas publié les référentiels par champ, les référentiels par APSA. Parce que le ministère n'avait toujours pas publié les référentiels par champ. Donc, on le fait cette année, on leur demande de les proposer cette année, on va leur valider cette année pour qu'ils puissent les utiliser l'année prochaine. Mais cette année, ils vont déjà devoir certifier des élèves sur la nouvelle mouture sans qu'on ait pu valider leur référentiel. Et ça sera la même chose pour le bac pro, puisque le bac pro, on devrait normalement leur demander de les donner cette année pour qu'on leur valide et qu'ils puissent les utiliser l'an prochain. Or, le texte, là non plus, n'est toujours pas publié. C'est clair? Merci. OK. Alors, s'agissant de la nouvelle enfin, de la transformation de la voie pro, l'idée, c'est de personnaliser les parcours. Maintenant, vous pouvez avoir des CAP qui se font en 1 an, 2 ans, ou 3 ans. Alors, on va pas non plus se mentir, 95% des élèves, c'est en 2 ans, hein. C'est un CAP normal. En 1 an, ça serait des élèves qui ont suivi un cursus voie GT et qui se réorientent en CAP. Donc là, eux, on leur permet de le faire en 1 an. Et pour ceux qui le font en 3 ans, ce serait des élèves qui arriveraient d'ULIS ou de SECPA. Et eux, on leur permet de faire un CAP en 3 ans. Mais la grande majorité, on reste en 2. Mais on ouvre cette possibilité-là qui n'était pas le cas avant. On crée des familles de métiers. Avant, j'allais directement en seconde vente. Directement, j'allais dans une seconde directement colorée. Maintenant, je vais dans une seconde famille de métiers. Et donc, dans cette famille, j'ai vente, accueil, logistique, j'ai plusieurs familles de métiers. OK? Donc j'en ai 5 en seconde des grands domaines. Et ce n'est qu'en première que je spécialise un peu et uniquement en terminale que je rentre vraiment dans la spécialité finale. Donc on voit qu'il y a plus de progressivité pour permettre à l'élève de changer d'orientation. C'est-à-dire que je me suis engagé en seconde dans cette famille de métiers, je peux aller vers plusieurs filières derrière. Alors que quand je me suis engagé, ancien programme, en seconde vente, bah après, je vais en première vente et je vais en terminale vente, point. Et je vais pas, et je peux plus aller en logistique, quoi. Donc c'est ça, c'est une des nouveautés. La dernière nouveauté, c'est que la terminale peut se faire selon deux options, soit sous statut scolaire et je vais derrière vers éventuellement un BTS, soit en alternance, auquel cas je peux être embauché dès la fin du bac pro ou du CAP. Donc ça, c'est les grosses nouveautés. On fait rentrer l'apprentissage dans l'année de terminale. Une nouvelle dynamique pédagogique. On a de la co-intervention qui est maintenant prévue entre un enseignant d'enseignement EG, enseignement général, français, EPS, OK, et enseignement professionnel, mécanique, vente, OK. Donc là, il y a de la co-intervention. Un enseignant de l'enseignement général,
un CAPES, quoi, et un PLP, enseignant de la voie pro. Et donc, il y a de la co-intervention entre les deux pour qu'il y ait plus de parallèles. C'est-à-dire que quand je travaille telle thématique, je vois des passerelles avec d'autres, avec une autre discipline de l'enseignement général. Il y a la création du chef-d'œuvre. En gros, c'est le pendant du grand oral de la voie générale et technologique. Et un petit temps dédié à la préparation de son projet d'avenir. Donc ça, c'est tout ce qui est lié, ce que j'évoquais dans la voie G, était accompagnement personnalisé et orientation. On va sur Je profite pour poser une question parce qu'on s'était posé, il me semble, mais on n'était pas sûr d'avoir la réponse. On se posait la question justement dans une de nos visios qu'on avait faites là. Est-ce que les chefs-d'œuvre et le grand oral peuvent avoir une dimension collective? Non. Non, ils sont que individuels. Ils doivent traiter d'une question qui a été choisie et d'une problématique qui est complètement individuelle. Il se peut que la thématique soit commune à plusieurs élèves, mais la problématique qu'ils vont définir autour de cette thématique-là, elle sera individuelle. Un sujet d'étude peut être commun à plusieurs élèves, mais la façon dont il a traité le sujet d'étude, elle, sera individuelle. Mais ça n'empêche que le chef-d'œuvre puisse s'appuyer sur l'illustration de quelque chose qui a été fait en collectif. Hein. Ça, c'est possible. Mais la présentation en elle-même, c'est une épreuve qui reste individuelle. Je ne sais pas si ça répond... Oui, non, mais on se posait la question de l'exploitation de ça quand on élargit un petit peu sur de l'interdisciplinaire. Hein, et c'était quelque chose qu'on avait évoqué, on n'était pas sûr de mémoire d'avoir une réponse, enfin, il me semble que c'était un petit peu dans cet état d'esprit là qu'on avait vu, enfin, c'était une question qu'on s'était posée à un moment dans la préparation. Ok. Excusez-moi, moi j'ai pas suivi, le chef-d'œuvre, c'est l'équivalent du grand oral en LP, c'est ça, concrètement, c'est ça, ça. Avec un support technique ou professionnel. Enfin, c'est ça, et l'idée n'étant pas d'évaluer le fond du propos, parce qu'on va avoir des enseignants qui sont jurys, qui ne sont pas toujours des spécialistes de la question traitée, mais bien d'évaluer des compétences de présentation à l'oral, d'argumentation, de débat contradictoire, de choses de ce type-là. D'accord ? Et concrètement, la coopération entre les collègues d'enseignement général et parce que tu parlais de PLP2 et de certifié, enfin, mais dans un LP, on n'a globalement que du PLP2, non, en enseignant, à part les profs de PS. Oui, ben c'est pour ça que j'ai pris les deux. On est les seuls à avoir un CAPES. Les autres ont tous des PLP. PLP2. Et des PLP qui relèvent de l'enseignement général ou de l'enseignement professionnel. Un PLP de lettres qui travaille avec le PLP de mécanique ou de cuisine. Oui, donc voilà. On est les seuls. Ah oui, on est les seuls avec les CPE à avoir un concours qui est présent, enfin, des enseignants et des professionnels qui sont dans toutes les voies. Oui, il n'y a pas d'échange entre un lycée général et un lycée professionnel. Absolument pas. C'est en local, vraiment dans le lycée. Tout à fait. C'est bien de le repréciser, peut-être que je n'ai pas été assez clair, tout à fait. Excusez-moi, c'est parce que j'ai pris la formation en cours. Je suis arrivée en retard, excusez-moi. Peut-être qu'il y a des choses qui ont été... Et par rapport au grand oral, c'est le gamin qui arrive et qui présente quelque chose ou il tire un sujet. Non, il présente quelque chose qu'il a préparé. C'est ça. Il présente, ouais. Il prépare et il tire au sort une des deux questions. Mais il tire au sort une question sur des thèmes qu'il a préparés. D'accord. C'est un peu équivalent à ce qu'on fait au collège, finalement, à l'oral du brevet. D'accord. Ah ben, c'est clairement dans la logique. Quand je vous dis continuité collège, on veut densifier de plus en plus ces compétences de gestion de l'oral parce qu'on s'est rendu compte qu'ils arrivent dans le SUP et après, plus tard, dans le milieu professionnel. Et ça, on ne les prépare pas assez à toutes ces dimensions-là. Alors, encore faudrait-il qu'il y ait du temps de préparation suffisant au niveau de l'année. Oui.
Mais ça, c'est possible. Alors, juste pour faire une petite incursion là-dessus, les épreuves de spécialité se déroulent en mars et le grand oral en juin. Comme les épreuves de SP pesant COEF-16 sont terminées, il nous reste avril, mai, juin pour préparer sereinement le grand oral sur la base des enseignements de spécialité. Évidemment, il ne se prépare pas que là, hein, il va se préparer dès la première, mais il y a un coup d'accélérateur qui peut être mis sur ce dernier temps de l'année scolaire qui, dans lequel, effectivement, les épreuves de SP étant terminées, on peut plus sereinement préparer l'oral. Et du coup, je pose la question, au DNB, les élèves peuvent évoquer le PS à travers un EPI qu'ils auraient fait sur l'année 3e ou les années précédentes. Comment on peut trouver une place à l'EPS dans ce grand oral ou dans le chef-d'œuvre? Est-ce que ça peut être un des thèmes? Alors, je pense à la spécialité EPS, on n'en a pas parlé dans la partie... On va en parler tout à l'heure, j'ai un petit tableau synoptique, on en parlera, bah oui. Pour le grand oral, oui, la future spécialité EPS fera que l'élève ayant cette spécialité en terminale, les questions du grand oral pourront porter forcément là-dessus. Ok. Tout à fait. Mais en LP, sur le chef-d'œuvre, ça reste plutôt quelque chose qui est en lien avec leur filière pro. C'est ça. Ouais, concrètement. Ça. Mais ce qui n'exclut pas qu'un projet interdisciplinaire ou un projet ait été conduit et dont l'EPS pourrait être partie prenante. D'accord, merci. Tu vois, des filières peintres en bâtiment et en même temps un cours d'EPS dans lequel on apprend l'escalade et des techniques d'escalade parce que dans les peintres en bâtiment, on est de plus en plus en recherche de gens capables de faire de la peinture sur des très grosses hauteurs avec des baudriers, des choses comme ça, et qu'il y a un projet, tu vois, qui mêlerait les deux. Bon, là, je réfléchis vraiment à haute voix. Oui, voilà. Ça pourrait être en muscu avec eux. On a déjà fait les. Sur des poids, le dispositif de permis de forcer avec les placements, les positionnements, sur des métros logistiques ou des choses comme ça. Ouais. Exactement. Ouais. Ça marche. Vous ne me piquez pas l'ouverture que je viens de faire, les autres, je vous la ramène, je vous remercie. Elle est même pas de toi. Elle est même pas de toi, escroc. La finalité, vous avez deux mots en rouge, c'est les nouveautés. Responsable, on voit bien la coloration voie pro, hein, nécessité de les responsabiliser, et pérenne, parce qu'on a une population en voie pro qui résonne beaucoup à court terme, et donc on veut les engager sur du long terme. Cinq objectifs, de nouveau, grosse continuité collège, lycée général, lycée pro, les évolutions, s'organiser pour apprendre, on voit bien là la coloration voie pro, hein, on est beaucoup moins ambitieux que dans la voie GET, et exercer sa responsabilité, un engagement personnel et solidaire. Alors que dans l'autre, c'était au sein d'un collectif. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans la voie générale et technologique, c'était s'engager au sein d'un collectif. Là, c'est déjà solidaire, c'est accepter les autres, c'est un niveau en dessous. Puis les deux autres qui ne changent pas. Cinq champs d'apprentissage. En rouge et en vert, les nouveautés sur lesquelles j'attire votre attention. Le champ 1 ne change pas, si ce n'est sur un mot, mais qui change totalement la philosophie du champ 1. Réaliser sa meilleure performance et non plus la meilleure performance. Donc, on arrive enfin à sortir de l'idée du barème unique national et de se dire que si on veut refaire aimer l'athlée et la natation à nos élèves, il faut peut-être arrêter de leur mettre des barèmes de fou et peut-être plus être sur une performance auto-référée qui a beaucoup plus de sens et beaucoup plus de portée. Regardez en collège, dès lors qu'on est passé sur des pourcentages de VMA, le demi-fond a été beaucoup plus réinvesti qu'il ne l'était quand on avait des 20 minutes avec des barèmes très, très étalés. Champ 2, pas de changement. Champ 3, destiné à être vu et apprécié. Les deux sont posés, mais sans obligation d'aller sur les deux. Affrontement interindividuel et collectif pour gagner, même formulation qu'en voie GET. Réaliser et orienter son activité pour développer ses ressources et s'entretenir, là aussi, continuité avec le LGT. Les programmes d'APSA, aucune liste, mais des exemples qui sont donnés dans le programme.
biathlon, épreuve combinée, raid, randonnée, ski, double dutch, gym aérobique, futsal, crossfit. Vous voyez bien que là, les exemples ne sont pas anodins. C'est-à-dire qu'on donne vraiment des exemples pour dire aux équipes, allez-y, engagez-vous, arrêtez. Enfin, n'ayez pas peur de sortir des activités conventionnelles. On verra si ça s'en empare. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les formules du type combiné athlée et biathlon, vraiment, elles prennent. On a de plus en plus de propositions de biathlon et d'épreuves combinées qui arrivent. Et CrossFit, évidemment, aussi. Mais comme nous, on l'a mis même en activité académique, forcément, elle est exponentielle dans l'académie. On invite à ce qu'il y ait d'autres modalités de pratique. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on fait de l'athlée qu'on ne peut pas le faire sous forme d'équipe. Donc, accepter l'idée de faire autrement. Du tennis de table en double ou en ronde à l'italienne. Un simple, un autre simple, un double. Enfin voilà, aller sur d'autres formules que celles de la très traditionnelle activité support. On n'oublie pas qu'on est dans des formes scolaires de pratique. Et on pourrait même envisager différentes modalités au sein d'une classe. Bon là, ça nécessite d'être vraiment solide didactiquement et pédagogiquement. Ce n'est pas impossible à faire, c'est beaucoup plus ambitieux. Cette fois-ci, nous n'avons plus 3 AFL, mais nous en avons 6 et qui s'appellent des AFLP. Bon là, c'est la, vous comprenez bien la logique. Il y a des AFLP différents pour les CAP et pour les bacs pro, différents, mais il y a quand même une forme de continuité, hein, c'est pas complètement différent non plus, hein, c'est plutôt, je dirais plutôt progressivité dans les AFLP. Et de nouveau, les contenus dans les APSA relèvent de la responsabilité des équipes. En CAP, au moins 3 champs d'apprentissage sur les 5, puisque en CAP, vous le savez normalement, il n'y a que 2 activités support pour le CCF. Okay, en deuxième année de CAP, ils ont 2 APSA support au CCF. Et sur les 2 années, ils doivent avoir fait au moins 3 champs sur les 5. En bac pro, 4 champs sur les 5 et 3 activités support au CCF. Le CA5 qui doit être programmé 2 fois. Donc dans la voie GET, on avait dit CA5 sur un temps long. Là, clairement, on dit CA5 programmé au moins 2 fois. En CAP, comment ça se passe, ce choix des 2 activités, des 2 champs? Ah, c'est des menus. Hein. C'est des menus aussi, ah, d'accord. Bah, un peu c'est plus des menus doubles alors. D'accord. Un peu plus limité, voilà, des menus à 2 APSA, de 2 champs différents. Un peu plus limité parce qu'on a souvent moins d'élèves en CAP que sur une seconde, que sur une terminale générale, mais un menu quand même, ouais. Et on nous invite, quand on revoit plusieurs fois le même champ d'apprentissage sur les 2 ans ou sur les 3 ans, on nous invite à faire en sorte que ça puisse être dans des activités différentes. Et ne pas faire que du volley sur les 3 ans. On pourrait faire du volley une année, du badminton une autre année et du basket une dernière année. Faut pas aller jusque sur du combat, il faut pas non plus, mais essayer de diversifier un peu. Parce que c'est bien à travers la diversification qu'on pourra attester d'une vraie compétence. Proposer une offre de formation adaptée au public. Alors ça, je sais bien que c'est un vœu pieux, hein, parce que la première priorité, c'est déjà qu'est-ce que j'ai à disposition comme installation. Et après, on verra bien ce que je peux faire comme équilibre. Mais y être sensible. Si j'ai des CAP plutôt mécaniques maintenance, je ne vais pas faire la même chose que si j'ai des CAP ou des bacs pro, ARCU, accueil, restauration. Voilà, je colore un peu mes programmations en fonction de mon public. Et une grosse priorité sur le savoir nager, parce qu'on sait que notamment dans le public de la voie pro, ils sont en échec sur la natation et sur le savoir nager. On 2 focales pour finir le programme, le projet EPS et l'AS, qui sont bien rappelés. Sur les horaires, ça change un peu en voie pro. Je n'ai pas de tableau là directement à vous mettre sous les yeux, mais on passe à 2h30 par an.
qui n'est pas sans poser des grosses contraintes, parce que vous savez comme moi, vous vous faites des programmations, vous voyez bien qu'un découpage de 2h30, il est très compliqué à faire. Donc, on leur a fait des propositions de plein de formules différentes, 2 heures pendant 2 heures toutes les semaines et 1 heure et 2 heures une semaine toutes les semaines, mais que pendant 3 mois. Et après, il n'y a plus que 2 heures sur le reste de l'année, un stage massé, 2h30 d'affilée. Enfin bref, toutes les possibilités sont offertes. Et ça, ça leur pose quelques difficultés. Est-ce que ce n'est pas une façon déguisée de passer de 3 heures à 2 heures en disant « c'est vraiment trop difficile à mettre en œuvre, ben on va revenir à 2 heures ». Non, parce que la plupart, c'est contraignant, mais la plupart ont réussi à le mettre en œuvre. Et au final, ce choix-là… Non, le 2h30, il est simple. Hein. C'est que quand ils ont fait la réforme de la voie pro… ils ont décidé d'attribuer les horaires par matière, par année, alors que dans l'ancienne mouture du bac pro, les horaires n'étaient pas donnés par année, mais sur l'ensemble du bac pro. On avait pour le bac pro 217 heures. Donc les équipes, c'était facile. Elles disaient, on fait 3 heures là, 2 heures là, 2 heures là. Et là, maintenant, elles sont données par année. Mais au final, on n'a pas perdu d'heures. Enfin, on a perdu 3 heures sur les 3 années. On passe de 217 heures de PS en bac pro à 214. Donc non, on n'a pas perdu d'heures et c'est pas le but, c'est pas d'en mettre moins. C'est simplement qu'ils n'ont pas pensé à l'EPS au moment où ils ont donné les contenus par matière et par année. Et comme c'est écrit dans un décret et qu'on ne va pas réécrire un décret juste parce que l'EPS est différent, eh ben c'est à nous de nous adapter et puis voilà quoi. D'accord. Mais Laurent, si je me trompe pas, en CAP c'était déjà existant les 2h30. Oui. Mais c'était pareil, c'était un volume sur les 2 ans. Donc, tu pouvais faire 3 heures une année, 2 heures l'autre. Et au final, ça te faisait 2h30 lycée sur les 2 ans. Et ça, c'est plus possible maintenant puisque l'horaire est donné par année. Et c'est ça ce qui pose problème. En fait, si on ne nous disait pas, 95 heures par an d'EPS, mais si on nous disait c'est 214 heures sur les 3 ans, ça réglerait le problème. On referait 2 heures en seconde, 3 heures en première, 3 heures en terminale, et en lissant, on aurait nos 2h30 de moyenne. Mais malheureusement, c'est plus possible. Et la difficulté, elle est là. Donc, ça invite à d'autres organisations, des cours de 2h30, des stages massés, des créneaux d'1h30, et puis après, 1 heure qui est en quinzaine. Tout est variable parce que tout est dépendant du contexte. Est-ce que mes installs sont sur place? Oui, non. Il y a tellement de contextes différents. Mais ça a été complexe, mais je pense que ça donne lieu à des organisations qui peuvent faire gagner une plus-value. C'est-à-dire que là où on se serait pas démerdé pour aller faire un stage de CO, eh ben maintenant, comme les horaires sont tellement contraignants, eh ben, on va le faire. Et finalement, on va maintenant proposer de la CO alors que jusqu'à présent, on n'en proposait pas. Bon, je caricature un peu, mais c'est un peu ça dans certains bahuts quand même. Donc, il faut y voir, je pense, aussi un bon côté. Là, j'ai à peu près fait le tour des deux programmes. Donc, ce que je vous propose, si ça vous va, c'est de basculer sur… Laurent, petite question. Bien sûr. Sur la diapo que tu viens de montrer, il y avait un élément tout en bas du projet EPS, le travail interdisciplinaire avec le programme santé-environnement. Est-ce que tu peux nous dire PSE. Quelques mots? Ouais, c'est une des disciplines de la voie pro PSE dans laquelle des enseignants… Il n'y a pas de prof de PSE. Donc souvent, c'est des profs d'une autre discipline qui peuvent le faire, mais dans lesquels il y a des fortes accointances avec l'EPS. D'ailleurs, ça serait même pas forcément déconnant que dans certains LP, un prof d'EPS puisse faire des heures de PSE. Et donc, du coup, comme la thématique de santé, elle est centrale dans cette discipline-là, eh ben, il ne faut pas hésiter à ce qu'il puisse y avoir des recoupements, encore une fois, pour une question de sens, pour que les élèves, quand ils travaillent
de la thématique santé en PSE, bah, qu'ils puissent en voir des illustrations et des liens directs et concrets avec ce qui est fait en EPS. C'est un peu ça l'idée. Et donc concrètement, il y a vraiment des contenus à travailler sur, sur le PSE. C'est comme une discipline. Ouais, tout à fait. Okay.